troisième remplaçant. Et oui, c'est un peu juste du côté de Sèvres. C'est Sahara Ebua. Ebua côté gauche. Attention là pour le FC, cette cap peut-être une opportunité. La première de cette rencontre. Et avec. Oh là là, quelle parade, Richard. J'imagine revoir cette action dans sa tête. Alors voici peut-être une deuxième opportunité pour le milieu de terrain. C'est toi qui vas centrer au deuxième poteau. Attention. Il a aussi un petit peu d'espace dans les 16 mètres. Il va falloir dégager ce ballon proprement. Et ça, allez, ça repartir. Du côté gauche avec Ben Amar. Qui a un peu de champ. Ah, il faut aller provoquer. Voilà, il est rentré. Il va pouvoir centrer au deuxième poteau, au sol. Mais la défense. Belle sortie de balle, c'est toi avec Chewo. Oh là là, attention. Avec le petit trou défensif là, de prévu par Nicolas Lebelec. Et attention, là, c'est reparti avec Zabala qui va pouvoir jouer. Avec Camara qui va centrer. Attention au deuxième poteau. Oh, ouh, quelle parade! Quelle parade la deuxième! Et c'est tiré directement, attention. Et il y avait hors-jeu. Oh, c'est directement dans les pieds de Frikesh. Ouais, pas pour longtemps, c'est récupéré qui va pouvoir frapper! Enfin, une frappe cadrée. De passe, pardon, à l'aveugle. Avec Ben, allez, Ben Isaac. Ben Isaac. On a trouvé Odzumo. Odzumo qui, tout qui seul, va qui pouvoir va tirer. Frapper. Oh là 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 là. Et qui a un peu de champ. Ben Isaac qui. Il est passé. Magnifique, il faut vous rentrer, centrer. Pour Maxence Renaud. Et c'est Ben Daoud. Et hey, c'est directement dans le but. Il est beau. Ah, il est beau. Magnifique. 54e minute dans cette partie. 1-0 pour Lyon La Duchère. Un but signé Ben Daoud sur peut-être le deuxième tir cadré pour les Lyonnais depuis le début de cette. De réaliser. Parce que. Laissez-toi, monte aussi un petit peu en régime. Attention, ce centre au deuxième poteau. Là, 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 là. Un de ses collègues s'est fait attention au hors-jeu. Là. Ça fait 2-3 fois qu'on est hors-jeu bêtement du côté lyonnais. Zaïda qui va pouvoir frapper. Magnifique, bon. Qui trouve la transversale de Papalardo directement. Aucune chance pour le gardien sétois dans cette confrontation avec le Duchérois. Est-ce qu'on est sur un magnifique deuxième but, Jeff? Ah, il est magnifique celui-là, 83e. Zaïdila, il a laissé aucune chance. C'est une belle action en triangle côté droit. Et pour une fois, ils ont raison. 45 premières minutes qui ne resteront quand même pas dans les annales. Alors que là, peut-être le troisième but en contre. Il y a peut-être de l'espace. Il faut frapper, il faut centrer. Zaïdila. Et c'est le troisième but.